Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je crie. On m'a dit ça dans les dernières vidéos, mais Léo, pourquoi tu cries? Et bah voilà, je ne savais pas, donc je me suis dit que j'allais arrêter de crier. Vémotard les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec la 07. Il est 10h, nous sommes le 15 février. Bonne Saint-Valentin à tous, bah c'est passé. Là normalement vous avez le kiki tout comme ça là, parce que là, toute la soirée ça a dû swinguer. Et aujourd'hui les amis, on s'en va au lycée. Bah oui, vous l'avez compris, c'est mon seul moyen de locomotion, donc on va aller au lycée. Potentiellement je vais finir avec ça, un petit vélo les amis, parce que tout simplement j'ai décidé de vous montrer ma vitesse. Ça y est, j'en ai marre de rouler avec le petit cache là. C'était nul, j'aimais pas, c'est moins immersif, au moins là vous avez la vitesse tout ça. Donc bien sûr maintenant j'ai pris en compte vos remarques et on va rouler comme des papis en sécurité. La ligne blanche, tu vois, je ne dépasse plus. Je ne dépasse plus, frérot, ça y est, je suis calmé. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir parce qu'il fait super beau. Petit point météo, il fait 13 degrés, les amis. Franchement, 13 degrés, c'est plutôt confortable pour rouler en moto. Là, franchement, tant qu'il n'y a pas de pluie, moi, je suis content. Je suis refait, les amis. Petit aparté les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo parce qu'on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Je vous mets à l'écran l'un des t-shirts qu'on a réalisé pour un abonné qui l'a gagné au précédent concours. Regardez, je vous le mets à l'écran, il est super joli en bleu comme ça. Donc voilà, c'est un petit concours que j'avais posté sur Insta. Je vous mettrai la photo du deuxième et du troisième, c'est juste que j'attends leur retour encore de la personnalisation qu'ils souhaitent avoir. Le frérot il veut me laisser passer, mais vais motard à toi, maintenant je suis un motard éco-responsable. Ah oui non mais non, par contre si le trafic est à l'arrêt, on a dit que je pouvais continuer à y aller. Hein. Bon là c'est parce qu'il y a un poids lourd. Mais faut pas abuser, ah oui non. Ouh la petite Ford ST, j'en ai passé une au quart vertical, c'était pas beau à voir. Que se passe-t-il poteau? Ah je crois qu'il lui déterre ses morts. Ils vont les remplacer par des trucs à LED j'espère, ça éclaire tellement mieux le LED là. Oh là là, ça fait plaisir de retourner en bécane quoi. Fais attention, oh non. L'autoroute est en vrac les amis. L'autoroute est cassée. Je vais me devoir de rouler comme un jeune brigand. Les amis, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo les amis, qui est Tot Que. Attention, car vertical les amis. Car vertical, ça vous permet de faire quoi? Et bah regardez, on va le voir ensemble. Aujourd'hui je vous ai pris une petite Golf à la vérif, Golf GTI. Alors ça, on est sur les dernières Golf 7 GTI. Dites moi ce que vous en pensez. Je vous le montre à la caméra, l'intérieur il est incroyable. Mais regardez les photos, là je pense que t'as quelque chose qui est épave. Oh, t'as toutes les photos des dégâts. Ça c'est la Golf qui a fait les runs du vendredi soir. Ça moi je te le dis. Oh là là, regardez-moi cette face avant. C'est incroyable. Dites-vous que vous pouvez vérifier votre véhicule les amis. Oh le bel impact. Oh, ah oui. Dites-vous que vous pouvez vérifier comme cette personne votre véhicule sur car vertical grâce à votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de châssis. Je vous montre. Quand t'as mis ta plaque, t'auras un descriptif comme ça qui va arriver sur ta boîte mail. Donc tu vas accéder tout simplement au relevé kilométrique du véhicule. Donc là tu vois que c'était une Golf qui était même pas kilométrée. Tu vas aussi pouvoir retrouver les informations sur le dommage du véhicule. Là par exemple tu vois que sur ce véhicule il y a des dommages. Le véhicule a été endommagé entre 20 et 30 000 euros de réparation en France. Alors t'as le pays et t'as le coût des réparations estimé avec la date. Ça vraiment c'est une scène quand t'achètes un véhicule, t'as un historique complet comparé à Istovec. Bah, c'est bien parce que là si t'as un véhicule qui est apporté d'Allemagne, tu vas le voir, ou même du monde entier. Donc tu vérifies bien la petite Volkswagen, la petite Golf, et bah les photos sont disponibles sur le rapport car vertical. N'hésitez pas les amis, vous avez moins 20% avec mon code Léonade sur le lien car vertical. Je vous mets le lien en description les amis. Et on repart à la vidéo, c'est parti. Pour aller à l'école, oh non vas-y. Non par contre en vrai de vrai j'ai le seum, je préférerais que ça roule parce que tu vois en interfile déjà tu roules moins vite, je vais arriver en retard encore une fois. En fait c'est qu'une preuve que je suis un mec jamais à l'heure. Je rigole, j'ai pris de l'avance les mecs. J'ai cours à 45, il est 10h06, j'avais totalement anticipé ça. Oui je veux bien, j'ai payé 8000 euros la moto, si je peux vous dépasser. Là s'il y a les motards à droite, je suis bien. Vas-y j'ai le seum. Comment j'ai le seum? Ils vont arriver à la droite, ils vont me dire d'où tu doubles par la droite. Ah ouais. Oh non. Au moins j'ai une preuve. J'ai une preuve que j'ai pas menti, que c'était bien la merde. Oh, accident. Oh là là. Je vais pouvoir rentrer où, moi? Oh, ça va, il a l'air d'être juste là, l'accident, non? Non? Oh, si c'est juste ici, ça va. Oui, ça a l'air d'être juste ici. Bon, moi, maintenant, faut que j'arrive. Allez, vas-y, frérot. Moi, maintenant, j'ai une moto. Donc, vous allez devoir me laisser passer. Allez, cassez-vous. Allez, décalez.
Allez, bouge de là. Allez. Merci. Vais motard à toi, frérot. Allez, maintenant je dis merci à tout le monde. Même si tu décales pas, je dis merci. Allez, casse-toi. Mais non. Tu le fais exprès, hein. Tu le fais exprès, hein. Mais tu vois pas que je suis là, frérot. Allez, décale. Je vais passer sur la bande d'arrêt d'urgence, moi. Commencez pas à me mettre un coup de volant, les mecs. On va faire des petits signes d'appel de phare. Appel de gang, frérot. Les appels de phare sur une MT7, c'est... Allez, bouge. Décale-toi. Décale-toi. Décale-toi, saleté. Mais décale-toi. Putain, c'est pas plaisant de rouler comme ça. Hein. Bon, les mecs, j'espère que vous allez bien. Sujet de vidéo ou quoi aujourd'hui, là? Là, je suis juste en train d'essayer de survivre. Parce que l'interfile comme ça sur la 1, moi, aime pas parce qu'ils se décalent pas tous. Bon, les mecs, sinon, ça dit quoi? Comment allez-vous? C'est bientôt les vacances scolaires, il me semble. Donc, vous allez être bien là. Vous allez être en vacances, vous êtes pépouze. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon, c'est une petite BMW. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai mis le outfit OTD protection moto. Là, franchement, aujourd'hui, on est plutôt équipé en mode beau gosse. Équipé, protégé, tout ce que tu veux. Là, oui, là, je passe, frérot. Là, je passe. Merci, mon ref. Merci, mon ref. Merci, mon ref. Est-ce que toi tu m'as vu? Est-ce que toi tu m'as vu? S'il te plaît, laisse-moi passer. Parce que moi les camions, bah, j'aime pas trop les gros camions. Voilà, je vois les gyros là-bas. J'espère que c'est pas très grave. Mais je les vois là en mode, tu sais, ils m'attendent. Tu vois, ça c'est top, frérot. Merci à toi. Grand merci à toi. Parce que partout, je peux pas passer partout non plus. Alors tu vois là, ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. J'hésite un petit peu. C'est un petit peu compliqué. La circulation, ma foi, est compliquée. J'ai envie de te dire, heureusement que j'y suis venu en moto. Parce que sinon, dans 2 jours, tu aurais pas encore été là. Merci les mecs. Merci les mecs. Lui, frérot, il a encore rien compris à la vie. Putain, tu te casses les couilles, quoi. Tu passes le permis moto, t'achètes une moto, tu payes une assurance. T'as même pas le droit de les dépasser sur la route, quoi. Ah, bah, il y a l'équipe de l'autoroute qui veut passer. Je pourrais leur faire la circuit, frérot. Mais moi, je sais pas le faire, donc je vais pas jouer au justicier, tu vois ce que je veux dire ou quoi? S'ils veulent passer, je les laisse passer, y a aucun souci. Oh, attends, attends. Ouh là là! Oh non, c'est qu'une TT. Bon, c'est qu'une, c'est déjà bien. Mais jolie la couleur. Ouais, pas mal la couleur. Allez les mecs, on regarde les rétroviseurs. Look at your retrovision. Ça, tu vois, ça, putain, ça, tu vois, je peux que te faire un petit pouce en mode merci, quoi. Merci, les amis, de me laisser vous dépasser. Merci. Par contre, j'avoue, les motards qui disent pas merci alors qu'on vous laisse passer, vous êtes des gros chiens. Parce qu'en moto, tu vois, on n'est pas obligé de passer, tu vois. Merci, frérot. Compilation des merci. Compilation de l'interfile. Impeccable, merci les mecs. Congratulations. Non, en vrai, si je savais, les mecs, je serais passé par la route. Honnêtement. Honnêtement, je serais passé par la route. Merci, frérot. Ah, mais là, ils sont trop gentils, en fait. Jusque-là, il y en a un, il va mettre un coup de volant. Ouh, petite Panamera. Merci, frérot. Petite pub, au passage. Thanks. Merci. On alterne. Le pouce, le pied. Le pouce, le pied. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui regardent les rétroviseurs. Parce que honnêtement, c'est pas le bruit. Parce que quand la moto elle arrive d'autant loin, tu peux pas. Par contre, si je dois remonter tout ça de bouchon jusqu'à mon lycée, là, te dire j'ai le seum. Ah, ça c'est un ref, tu vois. Petit gros coup de volant comme ça en mode passe. Petit pouce, tu vois, moi je fais petit pouce. Petit pouce, petite main, petit pouce. Petit pouce, petite main, petit pouce. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche d'être poli. Non, en vrai de vrai, c'est relou, là, j'ai envie de libérer les poneys. Les amis, vous êtes en quelle classe, là? Parce que, vas-y, qui dit bientôt la rentrée, dit que bientôt, normalement, il y a une nouvelle classe. Force, les mecs, petit accident. Accident. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Ouh. Ah, oh, ça a tapé entre 2 camions. On libère les chevaux. Ouais, laissez-moi passer. Je rigole, calmez-vous. Oh, attends, il y a un petit radar à passer, là. Ouais, je suis passé. Ouais. En bien. On est libéré des livres. Il va falloir rattraper notre retard.
je suis contraint de vous annoncer que la vitesse maximale autorisée sera floutée à partir de ce moment-là. Non, je rigole. Je rigole, les mecs, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'arrêtais. Ça va, quand c'est un accident entre deux poids lourds comme ça qui se rentrent dedans, bon, normalement, il n'y a pas trop de dégâts, tu vois. Tant que c'est que du matériel, ça va. On est large. Comme ça, genre le touquet. Oh là 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 là. Ah, les mecs, le train rouge comme ça, c'est quoi? Il me semble que c'est un truc spécial. Quand le train, il est rouge comme ça, je crois que c'est le Thalys. C'est celui qui va dans l'eau. Ah, je suis pas sûr du tout de ma connerie, hein. C'est la petite BM qui revient, frérot, la petite BM folle. Elle arrive. Je le laisse faire un petit combat. Mais non, vous êtes fous, quoi? Allez, oust. Si vous aviez cru que j'allais vous laisser passer, vous êtes des malades. Franchement, l'autoroute hein, en moto, hein, honnêtement, il n'y a rien de plus chiant. C'est à chier. Tu t'ennuies à mourir. Mais regardez, je vais ralentir parce que je vais sortir de l'autoroute. Parce que j'en ai marre. De l'autoroute, j'en ai marre. Ça me saoule. Petit clignotant. Franchement, moi, j'aime bien mon petit poste de pilotage. Dites-moi ce que vous ferez, les mecs. Mais moi, petit guidon gris. Gagne, c'est les deux BM comme ça qui se la jouaient. Ça, c'est les commerciaux, frérot. Ils partent en rendez-vous. Ils sont en retard à cause des bouchons. On a dû être à 150 pour tartiner. Poste de conduite noire. Donc là, guidon noir, ça serait impeccable. Je suis en train de vous parler. Ma tête, elle est en train de faire avec le vent. Ah non. Ah non, je pense qu'ils réparent des trucs là. Parce qu'avec les manifestations d'agriculteurs, les mecs, tous les radars, ils ont été brûlés, explosés. Et à ce qui paraît, hein, parce que je crois que c'est ce que j'avais vu sur internet. Après, tu vois, faut pas croire tout ce qu'on voit. Mais 200 000 € un radar. Je sais pas si c'est les radars remorques ou radars fixes là, comme ça. Mais 200 000 balles un radar. C'est un truc de fou, les mecs. On arrive au charbon, retour au lycée, je prends des routes différentes au moins, même pour vous c'est différent, vous pouvez voir que moi je vais vraiment, je choisis les établissements scolaires à l'autre bout de la planète, tu vois, parce que je pense que je pourrais, il y en a, je suis sûr ils habitent devant leur lycée. Dites-moi, vous avez combien de temps de route les mecs pour aller à votre lycée, à votre école, à votre boulot? Mais ouais, je pense que des fois il faut aussi choisir la proximité, je dirais, parce que là tu vois, faire autant de routes, bon, c'est pas que ça me saoule, mais bon, ça coûte cher en plus, hein. Mon métal me suit quand. Il y a pas de trottoir là. Et il y a des trous, frérot, faut regarder où on roule ici, hein, c'est miné, hein. Non, mais quand tu vois l'état des routes, c'est miné, c'est quoi ça? C'est, je fais le waouh, je fais le supercross de Paris ou quoi? Ouh, le déchargement, en bien le déchargement. Oui. En vrai, je trouve ça trop stylé. Un peu à la GTA. Oh, elle est stylée celle-là, la grise comme ça. Elle est mignonne, elle a un petit style. Je dirais pas que c'est la plus belle du monde, mais je dirais qu'elle a un petit style. Oui, enfin après faut pas abuser non plus, hein. Moi, je suis humain comme tout le monde, je suis un vélo limite, hein. Donc 1, moi je me mets dans la zone vélo. Voilà, et si vous êtes pas content, bah c'est pareil. Non, c'est bon, les écolos vegans en manque de calcium là. Wow. Waouh, en bien lui. Lui, il est bien là-haut, hein. Impeccable. Et il y a combien là? Il y a 6 mètres, 10 mètres? C'est chaud de savoir. Bon, sinon les amis, au niveau des améliorations de la MT7, comme on l'a dit, poste de pilotage, le déchicanage, parce que là j'attends juste les pouces bleus, mais on va nous faire sauter la chicane. Dites-moi les amis, sur les lignes Arrow, comment on fait? Parce que il me semble que maintenant c'est soudé sur les dernières générations. Vous m'avez dit que j'avais, je prends une petite pince comme ça là en circlip, faudrait que je vous montre. Mais là tu vois, je suis en train de rouler, donc je vais avoir un peu de mal. Mais tu prends, tu serres, normalement en serrant ça devrait faire sortir la bague. Alors j'ai pas compris, dans mon cerveau en mode tu serres, ça sort. Ouais, je comprends pas. À moins peut-être que c'est une écarteuse qui fait que ça s'écarte sur la carte. Dans ces cas-là, je dois avoir des termes de bricolage bien définis. Hein. Il y avait une petite 4L là, les dernières semaines où je suis passé. Franchement, elle était mignon. Et le départ du 4L Trophy, je crois que c'est aujourd'hui. Hier, c'était le Rasso. Donc c'est pour ça qu'elle n'est plus là. Comment je kifferais les mecs, un petit truc 4L Trophy. Mais tu vois, ça devient quand même super cher. Je pense qu'il y a le 205 Red aussi qui est pas mal. Et on a vu le Twingo Red aussi. Alors là, faut partir plus tôt parce qu'en Twingo, frérot, ça doit être aberrant. Pourquoi des 116D comme ça ou des séries 1 en jeune permis t'en vois partout? Qu'est-ce que vous leur trouvez à ces petites voitures les mecs? Alors moi j'aime bien, hein. Mais en vrai quand tu te fais allumer dans l'assurance, je sais même pas t'as quel moteur avec ça, mais vous faites pas trop allumer les mecs? Heureusement que j'ai pas à me garer maintenant. T'arrives en moto, je vais vous montrer, petite astuce, tu te fous en bien comme ça devant. Vas-y René, pousse le vélo garçon. Comment il m'a regardé? Il était trop, je veux ta moto, je te donne mon vélo. J'ai dit bon frérot, je veux bien être gentil 5 minutes. Mais il y a un moment, on pourra pas, tu vois. Il y a un moment, je veux bien être l'archiduc de l'archiduvec, mais les chaussettes de l'archichef sont-elles sèches ou... C'est une aberration. Une aberration. Bah, elle est bien blanche ta voiture, hein. Bien blanche, hein. Ouais, pas mal la voiture. Plaque Corse, airline sur la plaque, fumante, ça rigole pas. Là, si elle a pas 350 000 km, celle-là.
Ouais, mamie, elle les épaules. Les lunettes là, elles faisaient pas rigoler. Hein. Oh les amis, là, comment il va commencer à refaire beau. Là, on va tout doucement sortir de l'hiver, ensuite le printemps. Ça va être, tu vas commencer les petits couchers de soleil en bécane. Il va commencer à refaire beau. Tu vas aller à la moto en bécane, non. Tu vas repartir au lycée en moto. Les petites sorties le soir, le soleil jusqu'à 22h. Oh, yeah. T'as fini ta journée de cours, il fait pas noir, c'est pas déprimant. Tu peux continuer jusqu'à 22h facile. Oh, comment t'es bien. Alors, c'est comment le centre-ville? Je vais pas leur casser les oreilles dès le matin, quoi. Il est à peine 10h20. Les mecs, pour vous, la moto qui fait le plus de bruit en ville, c'est quoi? Dis oh, oh lo, 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 lo. Mais c'est du trial. Dites-moi ça en commentaire, les amis. La moto qui fait le plus de bruit. Franchement, je pense une 09 déchicanée. Je vais être obligé de dire une 07 déchicanée. Mais après, au niveau des autres marques, t'as aussi 890 Duke. Déchicané, ça fait pas mal de bruit aussi. En plus, les vélos ici, c'est trop drôle. Gan, lui, il a opté pour les mini-roues. Il est en 10 pouces. C'est trop mignon. Comment il va faire là, avec le bus? Il va mettre pied à terre? En tout cas, j'ai pas regretté de venir en moto pour l'instant. Le sol est de plus en plus mouillé. À tout moment, je tape une drache. On se verra à la fin, les mecs. Je vais aller au lycée. Fin des cours, on se reprend. On se fait un petit combo. Tu vois, on s'envoie ça sur YouTube. Allez-y, madame, t'es une trottinette. Vas-y. Pas de soucis, avec ta petite trottinette, faut bien te faire courir un petit peu, non? Ouais, Vémotard, le collègue, le Scoobit, Vémotard, salut les mecs. J'ai quand même un petit peu plus de bruit, non? Oh, c'est pas mal aussi, j'aime bien, mignon. Tu penses qu'il m'entend, là? Le ventilateur qui se met en route. Je me devais de lui mettre une tempête. Ah bah après, si je mets un point mort comme ça, ça fait un petit peu con-con. Je me devais de lui mettre une tempête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Me dis pas qu'il passe là. Oh là 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 là, l'esprit motard effréné par la conduite des deux roues avario. Eh, vous avez vu quand même. Vous me dites moi, mais lui, il passe sur les pistes cyclables. Bon après, j'avoue que c'est des pistes deux roues. Hein. Oh, j'avoue, ça fait de mal à personne. Non, regarde. En vrai, je suis pas un connard. Regarde comment je suis pas un connard. T'as vu? La piste cyclable, pour les écolos, je la laisse. En mode, tu vois, je viens pas dans leur terrain. Que lui, avec son scooter, il vous a mis une image des deux roues des motocyclistes dans la tête, mais en mode, tu vois, hein? Allez, on va au lycée tranquillement. On tâtonne pas la poignée de gaz, on fait attention. Ouais, Vémotard. Oh, j'étais obligé! Dites-vous, tout ça, c'est pas assez payant, les mecs. Là, vous vous dites, mais Léo, il y a de la place, tu pourrais te garer en voiture. Mais non, tu ne pourrais pas te garer. Regarde comment on va se mettre en bien. Hop. Regarde comment on va se mettre en bien. Voilà. Bien positionné là. Oh les mecs. Oh non, je vais être tout sale. Oh, je vais être tout sale de ouf. Ça, c'est une aberration. D'être aussi sale que ça. Bon allez. On se retrouve ce soir à la fin de la journée. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man.